Là, on va commencer tout de suite. Tu peux te présenter, quel est ton nom et la discipline et ton âge si tu peux. Moi, je suis athlète sprinter camerounais et 100 à 200. Ma meilleure performance sur 200 mètres, c'est 14. De 200 mètres, c'est 20, 60. Je pratique le sport de 100 mètres depuis un bout de temps. D'accord. Et à Londres pour l'acclimatation. D'accord. Et depuis combien de temps tu fais le 100 mètres? Ça fait déjà 10 ans. 10 ans. Et 6 ans de haut niveau. Oui. Et 4 ans de temps au pays. D'accord. Et comment est-ce que tu as fait pour te qualifier pour les Jeux Olympiques? En fait, je me suis préparé parce que c'était une année olympique. Pour moi, mes ambitions, c'était de me qualifier pour les Jeux Olympiques parce que c'est le seul sport qui m'arrête actuellement que je n'ai pas fait en réalisant les minima. Alors, je me suis mis à fond aux Jeux de Maputo. Alors, j'ai ramené la médaille d'or pour mon pays. Et, oh là là! Médaille d'or! En même temps, je me suis qualifié pour les Jeux Olympiques. Londres, c'est à ce moment que j'ai fait ma qualification et j'ai battu aussi le record du Cameroun qui était à 10-19, qui a duré pendant 10 ans. J'ai battu le record aussi à Maputo et en même temps réalisé mes minima pour Londres 2012. Ah, super, super. Là, mais là, en fait, tu t'es pas présenté, tu n'as pas donné le nom. Je me nomme Idrissa Adam. Voilà. Ouais, je suis athlète, camerounais. Oui. Je fais le 100 et 200 mètres. D'accord, d'accord, d'accord. Peut-être que j'ai raté cette partie-là. Est-ce que vous étiez au jeu de juin de. Au championnat d'Afrique au Bénin? Oui, j'étais au championnat d'Afrique au Bénin. Toute ma préparation était sur Londres. J'étais en stage pour Londres en Italie. Alors c'est à ce moment que le pays m'a envoyé un billet d'avion pour représenter le Cameroun au championnat d'Afrique. Alors ils n'ont pas envoyé le billet à temps, le billet est arrivé jusqu'à la veille. Quand la compétition commence demain, j'ai quitté le même jour et je suis arrivé. Le matin, c'était la compétition, ce n'était pas du tout facile pour moi. Alors j'ai fait la finale de 200 mètres. Je me suis retrouvé dans une couloir 1 et puis j'ai donné ce qu'il fallait. J'ai pris la 4e place. Ok. Ok. Comment est-ce que vous vous situez en ce moment par rapport aux autres coureurs du 100 mètres? Par rapport à mes camarades, parce qu'on se connaît déjà, on s'aborde toujours dans des compétitions en Europe, des championnats en Afrique. Alors, pour le rythme, j'ai pas perdu, on se connaît. Donc, il n'y a pas de peur alors? Non, je n'ai pas peur pour mes adversaires africains. Bon, quand même, je sais que c'est lui le leader, mais je ne peux pas me laisser aussi par un leader, il va. Mais il s'est fait battre récemment, hein, donc il est battu. Ben, voilà. Et puis j'irai là-bas avec une détermination, et bon, je ne parle pas pour m'amuser, en même temps, pour me donner aussi un bon titre au niveau mondial, si je peux, je le ferai. Ça c'est une bonne transition. Là. Quels sont les espoirs par rapport à la compétition qui arrive? Pour Londres. Ouais, ouais. Les espoirs d'abord pour moi, pour battre mon record personnel. En même temps, rentrer avec une médaille olympique, avoir un titre olympique. Et en même temps, défendre aussi la couleur de mon pays. Du Cameroun. Ah, ok. Voilà, vous êtes ici depuis quelques jours déjà là. Oui. Et quelles sont tes impressions d'Aberdeen? Ça au moins c'est une question pour nous les Camerounais d'Aberdeen, Camerdoniens. Pour moi c'est d'abord déjà une fierté de vous voir ensemble avec nous.
sur toutes les activités où vous êtes présente. D'abord, pour nous, déjà, c'est une très grande joie, mm-hmm. parce que votre présence nous fait vivre comme on est chez nous. Uh-huh. On se rend très fiers de vous. Et puis, dans l'ensemble de l'entraînement, tout se passe bien. D'accord. Tout se voit, bon, on s'adapte au climat. Mm-hmm. Nous sommes là pour l'acclimatation, mais j'espère que dans quelques jours, tout sera bien. D'accord. Ça, franchement, au nom des concitoyens et de tous les frères camerounais qui sont à Berdine, nous te disons merci. Merci de nous avoir donné ces quelques minutes de parler de ton sport. Merci. C'est moi qui vous remercie par votre volonté. Vous êtes encore tout le temps avec nous. Vraiment, tous mes remerciements à tous les Camerounais qui sont ici à Berlin. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.